bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. C'est Monsieur Lee? Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt, alors. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Appel à toutes les unités, les civils sont piégés à la suite d'un accident. Rendez-vous à Madison. On peut pas te balancer ou un truc comme ça. Magnifique! Spider-Man. C'est un sacré accident, ça. Ça a l'air grave. Ici! Aidez-moi, je vous en prie! Bonjour, Monsieur Muggins! Ils sont hors de danger. C'est sur des secours de faire leur travail. Je vais dire à tout le monde que t'existes vraiment. Salut, Monsieur Lee. Salut, Peter. Tout est prêt pour la fête. On n'attend plus que toi. Cool, je me mets en route. Position, sans vouloir me vanter. Bonjour, Monsieur Muggins. Si c'est à propos du loyer... Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement. L'expulsion... Attendez, attendez! Je suis payé en fin de semaine! Je peux... L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Et bonne journée. Are you hungry? Not physically. But you have a
un cambriolage est en cours. Agents dans la zone de Murray Hill, attendez nos instructions. Ça, c'est quand on cherchait un appart avec MJ pour vivre. Et puis, on s'est séparés. Je peux vraiment être à côté de la plaque parfois. Les unités, vol en cours. Les individus sont armés. Agent disponible, rendez-vous à Turtle Bay, terminé. Cambriolage signalé. Agent disponible, rendez-vous à Turtle Bay. Terminé. Superbe. Cool.
J'avais oublié à quel point j'aimais la photo. Et maintenant, les mails des auditeurs. May Duquin nous écrit. Vous êtes rempli de colère et vous devriez consulter quelqu'un, c'est très mauvais pour la santé. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment. Mais je me dois de corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je ne suis... Belle image. Joli. Appel à toutes les unités, on nous signale des agressions dans la zone. Incident en cours vers Times Square, observez la prudence.
répondez. On a un 10-10, vente de stupéfiants. Le signalement a eu lieu aux alentours de Nomad. Daily Bugle. Un excellent journal. Surtout depuis que Jameson est parti. Belle composition, sans vouloir me vanter. Ça m'étonnerait que ces types échangent des cartes de baseball. Vous m'avez dit que l'araignée était en vacances. Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les petites ruelles. Arrête, mariole. Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai fait mal? Bonne nouvelle! La police arrive pour vous protéger.
Vous avez tous oublié vos clés! En prison. Et je doute que vous soyez... ...et meilleur en évasion qu'en effraction. Capitaine, je suis sur un chantier de fisc, et leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade ? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Ils croient que les chefs n'ont rien géré depuis sa cellule. Ils le connaissent vraiment mal. Ils oublient que beaucoup de gens lui sont redevables. Je croyais qu'il était pote avec le maire. Ils ont travaillé ensemble, mais le boss lui a jamais... Y'en a d'autres ? Ah, je regrette, mais l'offre avec un donut gratuit vient d'expirer. Ah,
Bon, calmez-vous. La période des soldes, c'est pas avant début janvier. Spider-Man, ils ont réceptionné assez de ciment sur ce chantier pour construire deux gratte-ciels. Attendez, je vais deviner. Ils cachent de la drogue dans les sacs de ciment? Je crois bien. On aura besoin d'un motif valable pour accéder au chantier et confirmer tout ça. Je m'en occupe. Voyez-le! Vous approchez pas de ça! C'est pas impressionné! Quand il y en a plus, il y en a encore! Poussez pas, tout le monde aura son câlin! Je vous préviens, je mets mes toiles où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Excusez-moi, pardon. Capitaine, les hommes de Fisk et tous les motifs valables dont vous aurez besoin vous attendent bien sagement. Bravo. Fisk croit tout pouvoir gérer depuis sa cellule, mais il va se rendre compte que les relations à distance sont souvent vouées à l'échec. Yeah.
Magnifique. Hé, hey, ton costume pourri. C'est pour cacher un problème de peau. Unité disponible. Vente de stupéfiants signalée. À tous les agents près de la caserne. Répondez. Oups. Regardez par là. Ça m'étonnerait que ces types échangent des cartes de baseball. Dites-moi, vous comptez déclarer ça aux impôts, n'est-ce pas? Un fisc tenait tous ses dealers en laisse. Bon, mais attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que... Il me manque? Oh non! Unité en patrouille, répondez. Poursuite de véhicules en cours. Besoin de renfort à Bloomingdale. Elle est bonne.
société en patrouille. On vient de nous signaler une attaque en cours. Besoin d'officiers à Godzaker. Terminé. Hé, toi, la menace masquée! Y'a que les lâches qui s'en prennent aux gens comme ça! Quel flic! À chaque gramme vendu, ils prenaient une part. On pouvait rien faire, ils bossaient pour Fisk. Je savais pas qu'il était véreux! Je suis sûr que t'as pas posé trop de questions quand ils te faisaient des cadeaux. Des vêtements, des petits récipients. Vous avez de la chance! Renfort immédiat requis pour une course-poursuite. Le témoignage provenait de Sugar Hill. Signalement à East Harlem.
L'IA qui est intégrée à ma tenue peut m'indiquer la zone où se trouve la défi. Je vais configurer mon oreillette pour qu'elle détecte les sons de lutte. Spider-Man, je dois vous dire que vous êtes mon un peu. Il pensait que je savais où Fisk cache son argent, mais je ne suis qu'un guichetier de banque. Les revoilà. Ils vont me remettre là-dedans. Merci, merci à tous. Il n'y aura pas de rappel, tous les kidnappeurs sont inconscients. Témoin a signalé une vente de drogue. Comment ça va?
On nous signale une attaque à main armée. Besoin d'un agent sur place. Besoin d'effectifs aux alentours de Vanderbilt. C'est quoi cette tenue? Allô? Oh, wow, Spider-Man! Vous parlez notre langue? Le raft. Quand une simple prison haute sécurité ne suffit plus. Avengers est trop cool. Belle image. Avis à toutes les unités. Des témoins signalent des agressions armées. À tous les agents près de la caserne. Répondez. Vol en cours. Les individus sont armés. Signalement à cathédrale.
dans le mur. Attention, chaud devant. Pensez à une clause pour l'entoilage. On tient peut-être l'idée du siècle, là.
signale une attaque en cours. Le signalement a eu lieu à Kim's Bay. Terminé. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Peter, merci encore pour ton aide avec le site de la Sécu. Pas de quoi. Si j'avais les pouvoirs, j'irais pas me battre contre les criminels. Ah, Peter, comment ça va? Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, 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 pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter. Que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années... Tu m'as aidé dans mes études, tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Yo, Pete, ta tante est une sainte.
Salut, Peter. Salut, Pete. Content de te voir. Salut. La partie se passe bien? À ton avis, je gagne, bien sûr. Il commence à devenir sénile, Pete. Je suis en train de l'écraser. Oh, le plus important, c'est de s'amuser. Je m'amuse comme une gamine à lui botter les fesses. Dans tes rêves, vieille folle. Partie, Pete. On joue pour des cacahuètes. Non, non, non. Merci. C'est pas trop mon truc. Je vais rafistoler mes chaussures. Mon chien. Message vocal de Yuri. Hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk? Génial! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Arrête, ton mec. Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Unité disponible. Vente de stupéfiants signalée. À tous les agents près de la caserne. Répondez. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yuri. L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Pas de maman. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Ils ont l'air si mignons en mitoufle comme ça.
Je devrais le piéger d'en haut. Sage maintenant. Quelqu'un approche. Dites-moi, où est-elle? Je ne sais rien. Active, Peter, les méchants vont devenir très méchants. Yan Jing Zhen Da Dian, you kai le. Et dodo. C'est quoi ça? Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, hey, Peter! MJ? Qu'est-ce que tu fiches ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, Craig. Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord. Je comprends les raisons de Peter, mais j'ai jamais été fan des héros qui portent des masques. Je crois qu'être un héros, c'est aussi assumer ses actes. Dire « oui, c'était moi ». En tout cas, moi, c'est le genre de héros que je voudrais être. Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de... Simkari. On n'en a pas parlé aux infos?
Parfois, j'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent et se battent. Je me rappelle quand Fisk a commencé à importer illégalement des artefacts comme ça. Il avait acheté le port pour couvrir ses arrières et licencié tout le personnel, y compris mon père. J'aimerais qu'il soit là pour voir que la roue a tourné. Cette image est incroyable. Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. Kyoto, c'est magnifique. Ah, une partie de moi voudrait tout plaquer et parcourir le monde. Mais tout ce que j'ai est ici. J'ai toujours détesté cette canne. Trop kitsch. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche ? A mis au jour des crimes cachés. Voilà l'ancêtre des journalistes d'investigation. Je l'aime bien. Pourquoi Fisk a-t-il appelé ça Vanessa ? On l'entend depuis les enfers. J'ai envie d'essayer pour voir. Et combien vais-je payer pour ce recueil de cruauté et de mensonges ? Prix de départ fixé à 10 000 vies et rêves brisés. 10 000 une fois ? Tante May adorerait ça. Je dois avouer qu'elle me ment. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune ? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez, avant son arrestation ? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? Non. Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à tes rituels. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut ? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord ? Mettez-vous là. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk ? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. C'est bon. Craig, je te rappelle.
Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Et si ce n'est pas... La journaliste, c'est qui alors? Doucement. Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon Dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Oui, c'est très clairement une menace. Bien sûr, Craig. Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Il tient quelque chose. C'est le Nio derrière eux, sauf qu'il est différent. Elle a l'air à l'aise avec Fisk. Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Bien. Presque. Mais il manque quelque chose. J'ai déjà vu ça.
Il y a quelque chose dans la main. Qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas. Ça va, mais c'est pas ça. Dans la main. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. Pas文件找出来. J'allais rejoindre la sortie, quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. Je devrais m'occuper de cela avant de continuer. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici, le dossier et toi. Attends-moi. Et voilà.
pas, Peter. Bon, la salle est sûre. Fisk avait une tonne de trucs. Une pièce à la fois. Je dois dégager celle-là avant de continuer. C'était le dernier. Non ! Lâche-moi ! Angie ! C'est pas bien de prendre des otages, les gars. Waouh, c'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Mais vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes, moi. Enfin, j'ai affronté des spectres. Et bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes, vous le saviez? Le cardio, c'est fait. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de Alors se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé ?
Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? En fait, Roby vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement, cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés, tous les deux. C'est moi! Je viens de voir des unités sur la troisième! Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schultz est de retour. Shocker? Il vient pas d'être libéré sur parole? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Hermann est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après un tête-à-tête avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre, dans la vie normale de Peter Parker.
Avis à toutes les patrouilles. On nous a signalé... Agent, déployez-vous vers Lincoln. Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous.